Regardez tout l'espace que j'ai. Attention, offre spéciale! Tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement peuvent accéder gratuitement à mon magasin et dépenser tout leur moulard! Ouah! Hey, coucou mes petits palpiers! Comment allez-vous? Moi c'est Lele Shkanda, lui c'est l'ourson mignon qui a plein d'argent pour me dépenser dans mon magasin. On va refaire Clothing Store Simulator, le simulateur de magasin de vêtements. Et on va essayer d'agrandir encore, de changer la déco, d'acheter des vêtements. Génial, ouais! Ce jeu est vraiment comme Supermarket Simulator, mais je trouve personnellement en mieux. Alors merci pour tout votre soutien. C'est parti! On est de retour là où on avait laissé le jeu, c'est-à-dire dans mon magasin. J'ai plein d'argent, donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des vêtements déjà. Il est le soir, on va devoir terminer la journée, je ferme. Mais regardez, c'est vide, hein. Il me manque beaucoup de vêtements. Donc on va essayer déjà de remplir les choses que j'ai en stock. Donc on a ça, voilà. Donc j'ai pas besoin d'acheter ces jupes-là. Hop, les jeans, c'est les jeans comme ceci, ils sont par là. Non, c'est pas cela, c'est lequel? C'est quel pantalon? Je comprends pas. J'ai pas de... Ah, c'est là. J'avais pas vu, mais parce qu'ils se ressemblent. Donc voilà, ça, j'ai plus de réserve. Ça, eh bien, on va mettre... Ça, c'est les autres, c'est ceci, voilà. Hop, hop, hop. Je les range ici. Les chemises roses, eh bien, ploup, ploup, ploup. Voilà, une bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les chemises à carreaux. C'est là, mais je crois que c'est bien plein. C'est le nouveau truc que j'avais installé. D'ailleurs, il faut que j'en achète un deuxième parce que c'est super pratique. Et les robes oranges, je peux en mettre un petit peu. Voilà, mais je vais devoir surtout acheter ce qui me manque. Donc, on va acheter quoi? Les chemises rouges, les pulls. Ouais, de tout un peu, hein. Alors, les chemises roses, les pulls, les chemises rouges, les trucs jaunes et ça. Ok, c'est bon, je vais acheter tout ça déjà. On verra si j'arrive à compléter tout le magasin. Donc, les pulls, hop. Je prends tout parce que de toute façon, après, je vais ranger dans la réserve. Voilà, vous avez vu comment je les place? C'est trop bien, j'adore. C'est ASM. Oh, j'ai un accès ici. Super pratique. C'est ASMR visuel quand on les place. Regardez les cintres. Wouh, ça bouge et tout. Le bruit, j'adore. C'est vraiment formidable. Je vais mettre le jaune là. Oui, oui, le jeu veut que je commence une nouvelle journée. Attends de ce que me fait honte. Je remplis mon magasin pour demain. Là, il manquait beaucoup. Waouh. Les gens, ils aiment bien ce vêtement, hein, ce que je vois. Oh, il me manque des carretons. Alors, hop, je vais acheter des carretons, hein. Je vais en acheter. Hop. Meubles, c'est tout en bas, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça coûte pas cher. Je les achète. Merci. Coucou. Allez, hop. On va déplacer le carreton là. Voilà, comme ça. Hé ! Mes vêtements, ils sont tombés dans le sol. Il m'en manque, là. Ils sont où? Non, il n'y en avait qu'un. Mais je crois pas qu'il y en avait qu'un, mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est bon. Ça... Le rouge, hop. Donc pour l'instant, je vais les laisser là. Voilà, ça tombe pas dans le sol. Je vérifie, merci. Par contre, j'ai plus de place ici, en haut. Oui. Allez, venez ici, les petites chemises rouges. Hé hey. Mais pourquoi c'est tombé, ça? Et ça? Voilà. Bon, n'importe que, mais waouh. Ok, ensuite. Mais... Ah non, c'est mes pas qui font ce bruit-là. Et là, on a le rose. Il manquait un peu. Voilà. Oh, du rouge! Mais je viens d'en mettre... Ah, j'ai deux étagères de rouge. Ok. Non! J'ai jeté le vêtement. Ok, alors attendez. Il faut que je rachète du rouge aussi. Viens là. On va mettre ça là. Ah, mais du rouge, j'en ai. Attendez, regardez. J'en ai trois, là. Voilà, je vais quand même en racheter un. Allez, un petit rouge. Hop, pour la route. Merci. Voilà, glingling. Bon, il vaut mieux avoir un magasin bien plein pour le lendemain, hein, parce que les clients, ils veulent acheter. Hein. Et puis d'ailleurs, j'ai un rack de vide. Je vais devoir remplir aussi. Il faut que j'achète le pantalon, là, comme ce... Non? Non, c'est plein. Tout est plein. Donc, j'ai deux racks de vide. Mm-hmm. Alors, attendez. Je vais ranger ça. Hop, et je vais acheter deux types de vêtements, je vais acheter les plus chers pour remplir les racks. J'ai de l'argent, donc c'est bon. Alors, les plus chers, c'est quoi?
250. C'est le pull? Ok. Et ce pantalon-là. Voilà. Et comme ça, je remplis les deux racks de vide. Les deux rayonnages vides. Donc, pantalon. Je vais mettre ça là-bas pour varier un peu les plaisirs. Quoi? Il y en a que... Mais j'ai pas tout pris? Je comprends pas. Il y en a combien par boîte? C'est quoi cette arnaque? Là, ça remplit, mais là, ça pas rempli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque 2. Je comprends pas, je les achète par 8. Bah non. Mais il m'arnaque, ils sont où les deux autres? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. On va passer à la journée suivante. Hein. De toute façon, j'ai plus d'argent. Ah, ils sont là. Mais pourquoi ils sont là? Vous avez compris quelque chose, vous? Voilà. Ah, ah. Allez, journée suivante, c'est parti. On va enfin avoir des clients et tout. Pouf! On est à quel niveau? Oh, 7! Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir embaucher quelqu'un. Hein. Oh, l'arnaque! Oh, il y a des vêtements ici. Un pull. Bon, alors attendez, je vais le mettre dans les pulls. Hop! Voilà. J'oublie toujours la cabine du bouffe. Hop! Voilà! Les clients! Oh, bah, j'ai pas ouvert le magasin. Et moi, je me demandais comment les clients allaient venir. Oh. Faut peut-être que j'achète une étagère. Mais je crois que j'ai pas assez. Attendez. Ah, bah, une étagère de rangement. C'est 200. J'ai pas assez. Je l'avais quand même dans le panier. Voilà. Bonjour. Bienvenue. Regardez comme il est beau mon magasin. Il est plein et tout. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Surtout tout. Achetez tout. Ouais. Une chemise. C'est tout? Non, mais prends autre chose. Voilà. Petit pantalon. C'est... Mais pourquoi tu fais... Oh. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait tomber la chemise. Madame, ça va pas ou quoi? Vous respectez le magasin, là? Bien. T'hésites? Achète-le, ça t'ira bien au teint. Voilà. Toujours conseiller les clients quand il faut. Oui, ça, ça vous ira bien aussi. Vous voulez pas une petite robe pour l'été? C'est pratique. Ouais, un pantalon, c'est bien aussi, mais avec une robe. Prenez une robe. Là, là, la robe. Elle m'est passée à travers. Et vous, la robe, vous la voulez? Prenez la robe. Mais personne veut la robe. Bonjour. Merci. Waouh. Je vous ai bien conseillé, madame. 279 $. Merci. Je vais pouvoir acheter du coup, bah, mon étagère. Voilà. Je vais aller la placer. Attendez, d'abord j'encaisse. Merci. Oh, vous voulez passer à la caisse? Merci. Je vais ranger mon étagère, hein. Voilà, voilà. Blip. Super. Donc, oh. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bonjour, c'est bon? Alors, attendez, je vais redéplacer ça juste à côté. Et... Pouf. Ouais! On a une super étagère géante. Bonjour, monsieur! Waouh! Merci pour tous vos achats. Alors, est-ce qu'il y a des vêtements dans les cabines? Non. Et dans l'autre cabine, non plus. Il y a la musique ou pas? Oh! J'ai pas activé la musique! Vite! Bloup! Voilà. Je vais payer mes factures. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà, je fais que les 2 et 3. Hein. Ça suffit. Bonjour! Merci, désolé pour l'attente. Et l'oncle aussi. Ouais, c'est rigolo, c'est un jeu de mots, vous avez compris. Bonjour, bonjour. Allez, achetez, achetez, achetez. Pour deux vêtements achetés, deux vêtements achetés. C'est la promotion du jour. En tout cas, vous ferez du bien à la planète, puisque pour des vêtements achetés, eh bien, plus de palmiers seront contents. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Oh, votre jumeau. Bonjour. Ah, il attend la dame. Il est galant. Ah, mais vous n'aurez pas de promotion pour autant. Waouh. 363 $. Mais dis donc, les clients, ils sont déchaînés. Oh, waouh. J'ai déjà 1677 $. Et beaucoup plus de vêtements. Oh là 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 là. Ils achètent beaucoup. Faut que je remplisse, faut que je remplisse. Allez, une mini-jupe. Pouf, comme ceci. Ensuite, les robes. Allez, plouf, plouf, plouf. On remplit. Bonjour, madame. Merci, madame. Allez, le truc bleu. Ça, ça part bien. Oh, c'est pas parodie. Ils veulent plus acheter. Ils font la grève de ça. Allez, les chemises rouges. Ça, ça part beaucoup. Je suis choquée. Regardez. Ils ont tout dévalisé. Ils adorent les chemises rouges, hein. Waouh, ça, il faut pas que j'oublie de les remplir. Les trucs jaunes, est-ce que c'est parodie? Ouais, ils adorent aussi les trucs jaunes, hein. Voilà. Je vais ranger ça. Ensuite, les chemises roses. Ouais, sympa, sympa. Ensuite, mon stock, il commence à fondre. Oh, bonjour. Merci, merci. Ok.
Un pantalon, peut-être? C'est ça? Non? C'est ça, ok. Bon, faut que j'achète des pantalons. Quoi? Waouh! 365 $! Vous avez vu tout l'argent que j'ai? Vive la boule! Super. Je vais acheter les pantalons comme ça. Voilà. Je vais en acheter deux, en fait. Finalement. J'ai réussi. Camion! Voilà. Super. Je remplis. Tic, 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 tic. Ok. Je reprends. Voilà. Je remplis. Ok. Je prends et je vais mettre dans la réserve et j'arrive pour vous encaisser. Vous inquiétez pas. C'est ça, je crois. Oui. Bon, là, il faut que j'achète de nouvelles marques de vêtements. Avec tout l'argent que j'ai. Waouh, 2 800 $! Est-ce que je peux acheter du coup? Attendez, c'est où? Marc, 750, ouais! Allez, par contre, je ferai ça à la nuit parce que si j'achète maintenant. Bah, c'est la nuit! Super, bah, ça s'est bien passé! Donc, je vais acheter une nouvelle marque de vêtements. Hop, celle-ci. Ploup. Je vais acheter des meubles pour les ranger. Donc, il y a combien de marques? Il y a 1, 2, 3 nouveaux trucs. 3 nouveaux trucs. 2, 4. Est-ce que je peux acheter 2 de chaque? Je vais voir. Oh oui! Donc, 2 de chaque, il me faut 6 rangements. Donc, je vais acheter 1, 2, 3, 4. Et plutôt ça aussi. 1, 2. Ok! Voilà! Maintenant, il faut que tout que j'organise dans mon magasin. Oh, ça va être génial. Alors, attendez. D'abord, il y a ça. Un truc tout rond que je vais mettre là. Voilà. Ensuite, ça, c'est un autre truc tout rond que je vais mettre. Non! Où est-ce que je peux le mettre? Bah là. Waouh! Wouh! Magasin Nadège Candle pour vous servir. Ah ouais, je vous mens pas, regardez. Nadège Candle, c'est mon magasin! Bon, ensuite, on a ça que je vais mettre. Non, là, on va pas les voir, les vêtements. Je peux peut-être les mettre comme ça. Ah, je sais pas. Comment je vais les mettre? Parce que là, c'est bien organisé, mais fu la 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 la. Ou alors, il faut que je change tout, en fait. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... bon, les poufs, pour l'instant, vous allez... Non, viens là. Les poufs, vous allez rester ici. Pour l'instant, parce que vous me gênez. Ensuite, je vais mettre contre le mur. Déjà, pour gagner de la pelasse. Comme ceci. Hop, je vais faire toute une allée, comme ça. Je vais faire les rayons dans l'autre sens plutôt, ça sera plus intelligent. Parce que le mur finalement, sinon je perds de la pelasse. Vous avez compris? Voilà, ça, ok, hop. Bon, et je vais laisser de l'espace pour les cabines. Ensuite, eh bien je vais faire des rayonnages comme ceci. Hop, viens là, comme ceci, comme ceci. Je vais laisser des deux roues quand même, hein, pour qu'ils puissent accéder derrière. Parce que sinon, on va pas respirer. Voilà. Ok, pas mal. Eh bien, je continue. Hop, je vais mettre maintenant, bah, comme ça. Hop, comme ceci. Hop, comme ceci. Hop, et... Ah, il faut que j'aille prendre les autres. Voilà. Hop, comme ceci. Ça, hop, comme ceci. Hop, et ça. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends... Waouh, une jolie robe. Voilà, comme ceci. Ça, c'est nouveau aussi. Allez, à côté. Comme ceci. Et ça, c'est nouveau aussi. Un legging. Donc, ben, ici, devant. Pour bien mettre en avant les nouveaux pros de feuilles. Et après, ben, je les répercute aussi derrière. Comme ceci. Là, je vais le mettre dans le tourniquet. Là. Voilà. Et ça, dans l'autre tourniquet. Bon, j'ai que 139 $, je peux plus rien acheter d'autre. Mais bon, c'est pas mal. Chemise grise, je crois que je peux encore en remplir. Ouais. 4, je vais les remplir ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux remplir d'autre? Peut-être un truc jaune. Non, je peux pas, c'est plein. Donc ça, je le remets là. Le truc comme ça, ça s'est vendu ou pas finalement?
Ouais, j'en ai vendu un. Ouais, c'est déjà ça de peu rire. Les chemises roses, je peux en mettre ou pas? Deux. Je peux en mettre deux. Non, deux, j'ai dit. Merci. Les pulls, je crois que j'en ai peu lu. Non, j'ai plus rien en fait. Ah, voilà. Bon, alors, peut-être les pantalons comme ceci. Je sais pas où ils sont. Est-ce que c'est là? Non. Non. Non, bah c'est bien plein. Ok. Oh, il y a une chemise rouge là, attendez. Dans la cabine. J'ai pas vérifié les cabines. Ok, chemise rouge. Eh bah tu vas revenir là. Voilà. Bien. Oh, un pull. Voilà. Très bien. Nouvelle journée. Super, alors là. Oh, j'ai pas fixé les perrés. Attendez. Il faut que je fixe les peu. Oh oui, les poufs. J'ai oublié les poufs. Bah, on va en mettre un là pour l'instant. Entre les deux, voilà. Et un autre ici. Voilà, je vais fixer les prix des nouveaux vêtements. Voilà, j'ai tout refait. Hop. Alors, bah, je peux ouvrir le magasin. C'est bon, venez. Il faudra que j'installe aussi, quand j'aurai de l'argent, des nouveaux mannequins. Pour qu'ils portent les nouveaux vêtements chic et tout. Je les mettrai là. Je vais décaler ça un petit peu. Viens ici, voilà. Toi, je te décale là. Voilà. Et j'en mettrai là. Comme ça, on aura des nouveaux vêtements mis en avant et tout. Waouh! Bon, me dites pas que c'est trop cher. Non, c'est bon, ils ont l'air de tolérer la hausse des prix. Merci! J'ai pas de message comme quoi c'est trop cher pour l'instant, donc c'est bon signe. C'est bien paru-ti. Ok, bien. La musique! Elle est lancée, donc c'est bon. Ok, hop. Bonjour, regardez, on a des nouveaux arrivages pour vous. Des robes, des leggings. En plus, on a réaménagé le magasin. Regardez, vous pouvez vous balader comme ça. C'est trop cool. C'est un petit labyrinthe de vêtements. Ici, c'est plus aéré pour ceux qui sont claustrophobes. Il y a des plantes. Magnifique, non? Magnifique. Ouais, comme dit mon ami Keristo Inea. Allez, bonjour. Merci, monsieur. Je vais pouvoir peut-être mettre dans mon panier les mannequins. Donc, je vais mettre... Oh, on va mettre des mannequins qui courent. C'est nouveau ? Non. Je vais plutôt mettre les trucs normaux. 1, 2, 1 et 2. Il me faut 568. D'accord ? Waouh ! Bah voilà. Je peux acheter déjà. Merci. Alors, hop, mon panier. Bim ! Allez, il est temps de réorganiser un peu, de décorer... Donc, on prend le stand. Je le place à côté. Ah, bah, il me faudra des pelantes aussi. Et pourquoi tu mets pas? Ok. Et de 1. Hop. Ici. Ploup. Et de 2. Ah, mais il va pas être vu, là. Bon, alors, je vais le mettre là, plutôt. Voilà. Ça, du coup, je le décale là. Voilà. Bonjour. Merci. Waouh, merci. Super. Allez, je vais installer les mannequins. Bonjour. Allez, toi, tu te tournes. Il faut faire face à la vitrine. J'arrive, madame, j'arrive. Vous inquiétez pas. Et ça, je le tourne aussi. Et pouf. Voilà, bonjour. Ah, merci. Alors, je vais mettre la jupe. Et en haut, je vais mettre... Puli. Allez, le truc jaune. Ok, comme ça, ça fait une jolie tenue. Et lui, il a pas le choix. En fait, j'aurais dû mettre un mannequin homme, femme. Mais parce que j'ai plus de vêtements pour femme en fait. Donc attends, je vais t'emballer, je vais te vendre et je rachèterai un truc de femme. Merci. Allez, on rachète un mannequin femme, meuble, femme. Ok, $200. Bli. Oh, bonjour. Merci. Allez, donne-moi le mannequin. Cordialement. Et hop. Voilà. Ploup. Et elle, du coup, je peux lui mettre les nouveaux trucs. Donc, le legging. Et la brassière. Ah non, ça, c'est un shirt. C'est quoi que je peux lui mettre en haut? Fou là. Bon, alors, attends, toi, tu vas être comme ça. Et toi, en haut, tu vas porter... Mais je sais pas! Y a pas de truc en haut pour les femmes, si? Une robe rose. Allez. Rose et rouge, ça va pas ensemble. Attendez. Ça et ça. C'est mieux! Bonjour! Merci! Bonjour! Merci! Bonjour!
Merci. Il faut que j'achète des vêtements, là. Ils sont en train de tout acheter. Ah, en même temps, il est 9h. Je vais avoir le temps de... fournir mon magasin. Voilà, il y a... Ah, il y a un truc jaune ici. Hop. Ce qui n'est pas vendu n'est pas perdu. Et oui. Hop. Non. Là. Mais non, mais c'était pas ça. C'était pas la chemise. C'était quoi? C'était le pull, c'est ça, non? Je sais plus. Non, c'était pas le pull. C'était quoi? C'était un pantalon. Ah! Bonjour! Merci! 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 Bon, je ferme le magasin, ça suffit. Donc, c'était pas du tout le pull. Je sais plus ce que c'était. Bon, je vais mettre ces pantalons-là. Voilà. Bonjour! Parce que, attendez, ces pantalons-là, ils sont... Il y en a un là. Ah non, il y en a déjà deux. Il y en a déjà deux des pantalons comme ça. Donc il faut pas que je mette encore un pantalon comme ça. Il faut que je mette un autre pantalon. Ok. Les chemises roses. C'était pas les chemises roses? Non, c'était pas les chemises roses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah j'ai plus rien, mon stock il est tout vide. Waouh. Vous savez quoi? Je vais acheter un de chaque. Oui, je suis comme ça moi. Regardez, stock 2. Donc ça j'achète. 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 Ok. Ok, ok. Est-ce que je vais pouvoir? Pas sûr. Je vais essayer. Ok, ok, ok. Ah bah si. Voilà. J'ai pu tout acheter. Regardez le stock. Waouh. Et bah maintenant, il faut remplir tout ça. Donc ça, c'est quoi? Un pantalon? Cela? Ah non, c'est le short. Alors attendez, c'est ça? Je vais en... Allez, je vais mettre... Les shorts, ils sont là. Voilà, super. Ça, c'est les leggings. Les leggings. C'est ça. Voilà, pour l'instant. Je crois que je vais mettre un deuxième leggings là. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la robe, la fameuse. Hop, et le reste ici. Ça, c'est le truc jaune. J'en ai toujours besoin, ça fait plaisir. Voilà, j'ai qu'un seul truc jaune. Alors que ça se vend bien. Faudrait que je pense à acheter un rack. Oh bah je peux. Alors attendez, je vais poser ça là. Je vais racheter deux étagères. Tac, 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 comme ceci. Un, deux. Voilà. J'attends, j'attends. Donne-moi l'étagère. Merci. Hop, je vais les mettre là. Regardez. Plou. Et... là. Bonjour. Voilà, super. Ensuite, on a ces trucs bleus qui sont bien parutis. Voilà. Et bah, je vais les mettre aussi là. Allez, moi, je veux vendre ça. Ça se vend pas assez, je trouve. Faut que je les mette en avant. Donc, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, on a ces jeans. Alors, les jeans, comme ceci. C'est pas ça. Alors, c'est ça. Mais c'est quoi? Ah non, c'est les jeans pour les hommes. Je devrais peut-être en mettre deux, des jeans pour les hommes. Bah, ils ont pas d'emplacement, les jeans pour les hommes? Je comprends pas. Oh, ça veut dire que c'était ça, le truc. Oh, les pauvres. Alors, attendez. Je vais racheter des racks. Je vais racheter des étagères. Oh, non. Je me trompe toujours de bouton. Ok. Un. Bon, on va en acheter un pour l'instant. Voilà. Hop. Merci. Je vais mettre ça là. Pouf. Venez ici. Et voilà, vous avez un emplacement. Ah, c'est bien. Les chemises rouges. Il y en a deux, il y en a un là. Et un autre. Ben, il y en avait un deuxième. Là, ici. Voilà. Ensuite, on a les pantalons pour femmes. C'est ceux-là, je crois. Ouais, mais c'est plein. Bon, ouais. Ou alors, non, c'est pas ceux-là. Si, c'est ceux-là. C'est pas grave, je les range. C'est ceux-là. Ah bah, je peux en mettre plein dans la boîte. C'est génial. Je peux en mettre plus que 10. Ah bah, pour le stockage, c'est pas refait. Les chemises roses, j'ai qu'un seul emplacement. Oh là 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 là. J'ai qu'un seul emplacement de chemise rose. Ok. Je vais racheter un rack. Allez, qu'est-ce que j'en achète des étagères aujourd'hui? Hop, 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 hop. C'est parti. Merci. C'est bien parce que la livraison, elle est ultra rapide. Ça, j'adore. Voilà. Viens ici. Hop. Voilà, maintenant, vous avez deux emplacements.
Super, par contre, c'est pas aligné. Plou. Merci. Les chemises. Ah, c'est bien ça. J'avais besoin pour remplir ça. Quoi? Ah non, c'est les jupes. Oh, je me suis trompé. Mais bon, c'est le même motif. Quoi? Pourquoi je peux... Ah! Non, c'était bien les chemises. D'accord, c'est juste que j'avais pris des jupes en même temps. Ok, parce qu'on peut prendre différents vêtements de différents styles en même temps. J'ai qu'un seul emplacement pour les jupes. Ok, bon, pour l'instant, c'est pas grave. Je vais laisser ça là, pas refait. Et il reste les robes oranges. Voilà, comme ceci. Elles sont bien oranges, elles sont où? Ben, elles sont où les robes oranges? Voilà, c'est tout. Bon, ok. Donc je vais ranger les robes oranges là. Et enfin, il reste un seul type, les pulls. Voilà, on range les pulls. Mince, ben, c'est où? C'est où les pulls? Là. Ok. Et je crois qu'il n'y a pas un deuxième en psy, là. Voilà, bon. Ceci dit, je pourrais racheter des vêtements encore, mais bon. J'ai plus d'argent. Bah, ouais. C'est ça le problème. Nouvelle journée. Bonjour, c'est ouvert. Niveau 8. On va arriver au niveau 10. Peut-être qu'on va débloquer des nouvelles choses au niveau 10. On verra. Là, l'objectif, c'est vraiment d'arriver au niveau 10. Bonjour, bonjour. Bien. Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Les trucs bleus. Allez, je vais acheter un truc bleu pour remplir le truc bleu. La foutille! Voilà, ça je peux. Ok. Bonjour! Ah, super! Au fur et à mesure, comme ça, je vais remplir ce qui manque. Donc ça, c'est bon. Je vais ranger ça là-bas. Au fur et à mesure que j'aurai de l'argent. Parce que là, j'ai plus de moule A, hein. 65 dollars, je vais pas aller loin. Allez, on achète, regardez, tout est bien rempli. Moi, je saute sur les rayons, je saute sur les vêtements, je vous embête dans la cabine. Est-ce que je peux prendre la cabine? Non, je peux pas. Je voulais prendre la cabine et la déplacer pour embêter les clients. Bon, je peux pas. Oh, des petits pieds. C'est pour indiquer aux gens que c'est la caisse. Bonjour. Merci, vous avez acheté qu'un vêtement? Bon, c'est bien, ça commence bien. Allez, hop. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça commence bien, à midi, il y a déjà beaucoup de monde. Allez, allez, on achète. Bonjour, madame. Vous avez acheté plein de choses? Deux. Bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. Mmh. Allez, on va acheter des pulls quand on pourra. Oh, regardez. Elle regarde, elle hésite. Oh, faut que j'achète des plantes. Bonjour. Merci, merci. Je vais acheter des plantes. Donc, c'est deux de chaque. Hop. Donc, deux tournesols. Deux plantes vertes. Voilà, comme ceci. Bonjour. Merci. Alors, hop. C'est parti. On va acheter, hop, ça ici. Ça, de l'autre côté. Ok. Ça, on va le mettre là. Ok. Et ça, on va le mettre de l'autre côté. Oh, comme c'est joli. Bonjour. Waouh. Merci. Alors, je vais acheter pantalon femme urban chic. Urban chic, ok, c'est ça. Ensuite, je vais acheter le jaune. Le jaune et les pulls. Ok, le jaune et les pulls. Les pulls, les pulls. C'est où les pulls? C'est là. Et les jaunes. Ok, donc pour l'instant, j'achète ça. Bonjour, merci, merci. Et on va aller encaisser tout ceci. Enfin, encaisser. Ranger! Bien, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Et... Oh, bah ça, c'est plein. Ok, il y a une cliente. J'arrive, madame! C'est juste que je suis toute seule. Cordialement. En plus, on augmente la satisfaction client à chaque fois. C'est génial. Pour les hommes, on a ce pull. Et ce pull. Voilà, c'est bien rempli. Et ça, c'est les pantalons urban chic. Hop, il y a un autre emplacement urban chic. Attendez, ça c'est non. Là, voilà, je vais ranger le reste. Urban chic, pantalon femme. J'ai pas? Non? Oh mince! Bon bah c'est pas gure. Allez, bonjour! Waouh, merci, merci. Super, qu'est-ce qu'on va acheter maintenant? Le jean pour homme luxe line. Ok. Ok, le jean pour homme luxe line, il est là. Ok, ça c'est fait. Bonjour, merci. Bon, faut pas que je parte de la caisse, il y a trop de clients là. Waouh, merci, merci, merci. Hop, les pantalons homme luxe line, c'est parti. C'est homme, c'est là.
Voilà. Il faudrait qu'ils aient un deuxième emplacement, les pantalons des hommes. Ouais, il faudrait qu'ils aient un autre emplacement. Là, en plus, j'ai même plus de carreton, quoi. Ça curin. Je vais acheter un carreton. Hop. Allez, c'est ici. Mère ici, je vais en acheter plusieurs. 5. Ça ira bien comme ça. Voilà. Bonjour. Mère ici pour votre achat simple. Il est 9h, vous êtes le dernier client? Ah non, il y en a d'autres derrière. Mère ici. Hop. Je vais prendre le carreton, je vais le placer vite fait. Voilà. Je range le stock de pantalons pour hommes. Waouh. Mère ici. Encore des clients? Alors attendez. Hop, le truc jaune. On le range. Ça, on le range. Dans cette cabine, il y a un pantalon pour homme. Bah du coup, je l'ai rempli, donc je vais le ranger, ah bien sûr. Bonjour monsieur. Merci. Et il y a également un autre vêtement là, une brassière, enfin un short. Bien, magasin est fermé. 2400. Je vais remplir, je vais acheter robe orange. OK. Comme ceci. Qu'est-ce qui manque? Chemise rose. Ok, comme ceci. Qu'est-ce qui manque? Des robes fleurs. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui manque d'autre? Les jupes, les chemises rouges. Donc, les jupes, elles sont là. Les chemises rouges, elles sont là. Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Les pantalons pour femmes urban chic. Ça, ça part bien. Waouh, je suis étonné. Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Les chemises comme... Ah non, les shorts urban chic. Ok, comme ceci. Allez, je reprends des chemises. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais acheter ça. On verra après ce qui manque. On va rempelir. J'adore ce passage où on rempelit. Allez, oui, chemise. Là, là, c'est plein. Donc, je les range. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les chemises rouges. Plouf. Comme ceci. Hop. Et le deuxième emplacement de chemise rouge. Me dites pas que j'ai qu'un seul emplacement. Ah non, il est là. J'ai eu peur d'un coup. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les robes oranges. Hop. Ça, ça part bien aussi. Bah, c'est où? C'est là? Mais j'ai qu'un emplacement de robes oranges. Je vais en acheter un deuxième. Je vais en acheter un deuxième, attendez. Hop, un petit meuble. Oh, je peux agrandir la boutique. Alors attendez, d'abord un petit meuble. Hop, 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 comme ceci, la saucisse. J'achète ça. Viens là, mère ici. Hop, je vais le mettre là, comme ceci. Et vous, vous venez. Voilà, vous avez plus d'espace maintenant. Est-ce que j'en avais en stock? Oui, une. Viens ici, t'as ta place dans le magasin maintenant, tu as été élu. Hop, le magasin, le pantalon luxe, luxe, c'est là. Il n'y a qu'un seul emplacement pour Urban Chic? Non! Là aussi, non? Oh, oh, là? Ok, bon, il n'y avait qu'un seul emplacement Urban Chic, c'est pas grave. Donc c'est ça, de toute façon j'avais du stock en plus. Ça j'ai vraiment acheté pour rien, mais bon, c'est pas grave. Les robes, les robes. Ça, je remplis et ça... bon, il n'y a plus d'emplacement. Je vais mettre dans un carreton pour l'instant. Ça va là. Je vais prendre un carreton ici. Je vais le replacer, hop, comme ceci. Et voilà. J'aime bien ranger mon petit magasin. Les petites jupes, allez hop. Vous aviez un emplacement là et un autre... Non, ça... Ah! Urban Chic, ok, c'est là. J'ai qu'un seul emplacement de jupe. Bah, c'est pas grave. On va acheter une étagère. Hop. Allez, c'est par utile. Je vais mettre les Urban Chic en attendant. C'est là. Ok. J'avais pas vu que c'était vide. Urban Chic. Là. Bah, non. Ah ouais, j'ai 3 emplacements d'Urban Chic. Ah, mais c'est pas pareil. Style Vista. J'ai mis du Style Vista. Ah non, attendez. C'est où? C'est là. Ok, et là, je remplis là. Voilà, ok, je comprends mieux. Bien. Hop, comme ceci. Le petit présentoir, il vient d'arriver. Hop, je vais le mettre là. Plouf. Et je vais pouvoir mettre des jupes.
Voilà, super. Est-ce que j'avais encore des jupes ici? Bien sûr. Allez, voilà. Là, on a les chemises. Donc ça, c'est ici. Est-ce que j'ai un autre emplacement pour les chemises? Non. Mais c'est pas grave parce que j'ai déjà un gros truc. Donc je peux remplir mon stock. Et on a les shorts Luxe Line. Donc là, non, Urban Chic, pardon. Bah j'ai qu'un emplacement et ça. Voilà, super. Je range les carretons. Je peux pas en porter plusieurs. Attendez. Ah mais si. Oh non, je peux en porter qu'un à la fois. Dommage, j'aurais essayé. Ça c'est bon, ça. Pourquoi il y a des shorts dedans? C'est normal ça? Attendez. J'ai pas un autre emplacement pour les shorts? Non, bon pas. Ok, le dernier carreton, je le prends, je le place. Et on va passer à la journée suivante en appuyant sur la touche N. Oh, j'ai pas payé les factures. Attendez, faut que je paye les factures. Vite. Ok. Paiement. Oulala, un jour restant, il fallait vraiment que je paye. Hein. Ok, on va juste voir pour gérer. Ouais, on va agrandir le magasin. On va agrandir le magasin. Non, ça c'est bon. Par contre, pour embaucher quelqu'un, je peux pas encore. Hein. Parce que regardez, il faut niveau 15, donc je pourrais pas aujourd'hui. Mais dès que j'ai 1000$, j'agrandis le magasin. Donc, qu'est-ce qui n'est pas plein-plein? Bah rien, en fait, tout est plein-plein. Pratiquement. Le truc bleu là, j'en ai encore en stock normalement. Mais oui, ici. Hop. Hop, hop. Voilà. Les robes oranges, j'en ai plus en stock. Qu'est-ce que j'ai en stock? Ça, c'est fait. Bon, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et dès que j'ai 1000, j'agrandis encore le magasin. Je pense que ça va s'ouvrir par là. Ah ouais, voilà, c'est ça la suite. Oh, regardez, tout ça, ça va s'agrandir. Tout ça, ça pourra être à moi. Donc, je pense que le mur ici, il va se casser. Donc, je pourrais mettre des vêtements par là. Ok. Allez, donnez-moi 400$. Bonjour. Waouh. Merci pour votre contribution. Waouh. Je peux agrandir le magasin. Allez, on agrandit. Comme ceci. Vite, allons voir. C'est où? Ah, c'est là. Oh, super. Allez, on réorganise tout de suite. Voilà. Comme ceci. Je vais prendre les trucs qui sont tout devant parce que ça gêne un peu, je trouve, l'harmonie du magasin qui est des trucs trop devant l'entrée. Et puis, bah, c'est bien, comme ça, j'en mets ici aussi, hein. Voilà. Hop, je vais mettre ça. J'arrive, j'arrive. Je suis en train de réorganiser le magasin, hein. Ok. Bon, allez, on va encaisser parce que les pauvres, ils vont attendre, ils vont pas être contents. Merci. 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 Bien. Ça, on va le mettre là-bas. Il n'y a pas de chemin à pied accessible jusqu'à la caisse? Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-ci? Bon, effectivement, il faut que je réorganise. Veuillez patienter. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre là. Ça, on va mettre ça comme ceci. Ça, on va mettre... comme ceci, voilà, ça. Bon, on va laisser cet espace vide, qu'est-ce que vous en... Ou alors, non, on va mettre au milieu. Voilà, comme ceci, la saucisse. On va mettre au milieu. Hop, le magasin est très plein. Oh, faut que j'encaisse. Ok, merci, merci. Waouh, merci. Bah, il est très plein, oh, oh, oh. Calmez-vous. Alors... il faut vraiment que je réorganise. On va mettre un pouf là. Un autre pouf pouf. Oh, je sais pas. Là? Allez hop. Ça. Je peux peut-être... attendez. Merci. Je vais peut-être là. Voilà. Agrandir un peu le magasin. J'ai pas besoin de beaucoup d'espace pour ma caisse. Ça. On va le décaler ici. Ça, on va le décaler ici. Ça, on va le décaler ici. Voilà, c'est beaucoup plus aéré. Voilà, je vais peut-être même pouvoir mettre ça là. Ça là, pour que ce soit beaucoup plus aéré en fait. Hein, voilà. Bonjour! Merci, merci. Ouh, c'est pas facile de gérer un magasin de vêtements, hein, quand vous y pensez.
Tiens, ça, je peux le pousser un peu, le mettre devant l'entrée. Ça, je le décale du coup ici. Ça, je peux le mettre là. Voilà, faut aérer un peu tout ça. Mm-hmm. Bonjour! Merci, cordialement. On est au niveau 10! Waouh! J'ai vachement évolué! Oui! Oui! Super! Est-ce qu'il y a des choses? Oui. Il y a ça. Hop, c'est rangé. Dans l'autre cabine, il n'y a rien. Cliente. Merci, cordialement. Il est bientôt 9h déjà. Waouh! Allez, hop! Merci, vous avez laissé des choses? Oui, elle a laissé une jupe. La jupe. Hop, c'est rangé. Bon, là, ça va, ils se plaignent moins, c'est plus accessible et tout, hein, je crois. Mm-hmm. Ça, je vais peut-être pouvoir le décaler ici. Voilà, super. Bon, bah, écoutez, ça me semble pas mal. Voilà. Voilà, comme ceci, un peu n'importe comment. C'est vrai que c'est un peu n'importe comment, là. Mais bon, c'est pas mal quand même. Oh, des vêtements par terre, ça se fait trop pas. Urban chic. Bah voilà, c'est rangé. Y'a rien par terre? Non, c'est bon. Bonjour, mes derniers clients de la journée. Waouh, merci beaucoup. 3 200 $! Allez, on ferme le magasin. Super. Bon, je vais pas mettre un pouf devant la caisse quand même. Je vais en mettre un là. Non! Oh non, je l'ai vendu! Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, j'avais trop de pouf. Et je vais voir, qu'est-ce que je peux faire? Oh, je peux déjà acheter une nouvelle zone? Allez, on agrandit. Ah, j'ai encore agrandi mon magasin, hein, regardez. Oh, oh, attendez, ça change tout. Hop, comme ceci. Comme ceci. Ça, là. Ça, on va le mettre là. Toi, tu viens là, comme ceci. Toi, tu vas te mettre ici. Ça, ça va venir là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. J'adore. Toi, tu te décales un peu, que je puisse faire comme ça. Waouh, c'est géant. Regardez tout ce que j'ai fait. C'est vraiment génial, hein. Oh, là, on a vraiment fait évoluer tout ceci. Je remets dans l'ordre comme ceci. Hop. On change en fait encore de côté. Mais ça, ça dépend vraiment comment le magasin il est fait, comment il est grand. Regardez tout l'espace que j'ai. C'est incroyable. Franchement, j'adore. C'est... Waouh. Ça commence vraiment à prendre une ampleur incroyable. Waouh. Oui, j'ai adoré vraiment ce jeu, cette nouvelle parodie, c'était incroyable. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. N'oubliez pas, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et regardez une autre vidéo de Nadège comme de la vente parodie. Bisous, bisous, mes petits palmiers. Bye bye.